Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du ciel. Et voici la fin, la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. La victoire pour tout ce monde. Un jour j'irai près du ciel, et j'irai là-haut, j'irai là-haut, parmi les, parmi les anges, Manuel de consoler, passant mon temps. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 103. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur.
Psaume chapitre 103, nous lisons la parole de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Et il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, notre Dieu. Tu es vraiment merveilleux, notre Père, notre Roi. Tu es vraiment glorieux et précieux pour tous les croyants, mon béni, Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ton peuple, mon Roi, que tu as vraiment gardé, protégé, Père, et nourri et béni, Père Saint-Dieu, parce que tu es réellement le Dieu qui prend soin de ton peuple à toi. Nous sommes le troupeau de ton pâturage, et c'est vrai que ta main puissante conduit, mon roi. Tu es le maître de l'univers, mon roi. Tu contrôles toutes choses, mon béni, Père Saint-Dieu. Tu as dit que tu es l'alpha et l'oméga, et nous réalisons combien, Seigneur, tu es vraiment précieux pour nous, Père. Aujourd'hui encore, nous avons trouvé grâce devant ta face, ô notre Père, ce que nous puissions nous retrouver encore en ces lieux pour célébrer et glorifier ton Saint-Nom, pour les hauts faits que tu essaies d'accomplir encore pour chaque frère et chaque sœur dans la vie de chacun de nos pères, ô Dieu. Oh Dieu, tes bienfaits sont tellement innombrables, mon roi. Nous nous réjouissons de ce que nous avons un Dieu comme toi, Seigneur, qui fait des choses qu'aucun ne peut le faire, mon roi. Béni soit ton nom glorieux, mon béni, mon Père Saint-Dieu, le seul et le saint nom qui nous a été donné, Père, pour que nous puissions le porter avec reconnaissance, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Oh, par ce nom, nous avons la victoire dans tous les domaines, Seigneur. Et nous sommes heureux de voir également aussi être des victorieux, Père, parce qu'à Golgotha, tu as crié, Père, tout est accompli, mon roi. Tu as accompli tout, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Et nous sommes bénéficiaires de ta victoire, mon béni, mon Père. Merci encore pour ce jour. Merci encore pour les jours que tu viendras. Père, c'est pour ce que tu
procurer encore davantage pour moi, Père. Et nous avons confiance en toi, Seigneur. Et lorsque tu viendras, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous serons prêts, Père. C'est toi qui nous prépares, mon bien-aimé Père Tissant. Nous sommes à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. L'ouvrage est tes mains, mon roi. Nous voulons réellement être exactement comme toi, tu veux que nous soyons. Pas comme nous le voulons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais comme toi, tu le veux, Seigneur. Ah, nous sommes attachés à toi, Père Saint. Merci encore pour le chant des cantiques, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour l'adoration, mon Seigneur, pour les témoignages qui ont été rendus, bien-aimé Père Tissant. Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, reçois donc l'honneur, la gloire et la puissance, bien-aimé Père. Merci encore pour tous nos frères et sœurs qui sont donc en connexion et ceux qui ont traversé, Père Tissant, des villes pour arriver à cet endroit. Seigneur, qu'ils soient bénis et protégés, Père, car nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons toujours lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble. Et c'est aussi par la grâce de notre Dieu que nous avons ce privilège et cette grâce de pouvoir aussi nous retrouver ensemble, puisqu'il l'a dit et nous le croyons, et que c'est la vérité, que c'est vraiment doux et agréable pour deux frères de demeurer unis ensemble aussi. Et lorsque nous nous rassemblons, quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel », c'est là aussi notre joie, parce que c'est là que le Seigneur, notre Dieu, nous parle et nous éclaire et nous guérit et nous fortifie davantage et nous annonce aussi des choses à venir et nous montre aussi les temps actuels, effectivement, aussi de l'Église. Et ce que nous sommes censés pouvoir arriver à pouvoir faire, effectivement, en tant que son peuple. Que le Seigneur, notre Dieu, qui vous a gardé et protégé, qu'il soit béni. Et il nous a aussi gardé et protégé aussi avec beaucoup de reconnaissance. Nous sommes heureux et c'est vrai que les choses sont un peu particulièrement différentes. Et parce qu'il prend le contrôle. Et il gère les choses effectivement comme lui, il veut le faire, et non plus comme nous pouvons chercher à pouvoir le faire. Nous lui sommes reconnaissants parce que quand il prend le contrôle des choses, effectivement, il amène les choses à merveille. Et que, effectivement, aussi, qu'il nous instruit encore davantage, et il nous montre encore des choses d'une manière tout à fait beaucoup plus claire encore, et davantage aussi, beaucoup plus proche de nous, dans ce sens qu'il vient. Il devient beaucoup plus proche pour pouvoir nous conduire, pour encore effectivement aussi nous rassurer en fait de sa présence. S'il y a un temps où nous avons encore plus besoin de la présence de notre Dieu dans notre vie, de sa lumière encore davantage qui nous éclaire pour que nous puissions bien voir, c'est vraiment ce temps dans lequel nous sommes. C'est vraiment le temps où la confusion a bat son plein dans différents domaines, et surtout dans le domaine spirituel, en fait, et que nous ne savons plus, l'homme ne sait plus la différence entre la main gauche et la main droite, parce que toutes ces choses sont vraiment confuses, comme aussi le prophète Élie pouvait dire au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés, effectivement, parce qu'il ne savait pas si c'est gauche, si c'est à droite, et puis bon, on essayait de pouvoir parler, avancer ainsi. Alors nous comprenons aussi que Dieu est toujours vrai dans sa façon de pouvoir faire les choses, et nous lui sommes profondément reconnaissants, et avec beaucoup de sincérité, et encore beaucoup plus de crainte et de respect, de savoir qu'il est vraiment le maître de toutes choses. Et nous ne pouvons plus les servir comme nous pensions, mais nous devons maintenant les servir comme lui, il pense en réalité. Et surtout dans sa dimension dans laquelle il est en fait pour nous actuellement et aujourd'hui encore. Qu'il soit donc béni pour son amour et sa bonté à l'égard de son peuple. Jamais Dieu ne peut oublier tout ce qu'il a connu d'avance. Alors, il fait des choses qui dépassent en fait l'entendement humain. Et parce que nous sommes toujours dans le train-train de la manière de pouvoir faire les choses en fait habituelles. Mais Dieu, c'est vrai, nous lui disons souvent, mais nous ne prêtons pas attention. Il est en dehors en fait des habitudes.
Et il arrive à pouvoir faire les choses effectivement à sa manière. Et quand il le fait, à ce moment-là, nous sommes étonnés et surpris effectivement aussi. Mais comme l'Écriture le dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. Amen. Je remercie Dieu pour ce qu'il fait. Et j'ai eu à pouvoir s'y entendre aussi la triste histoire. En fait, c'est que notre précieux frère ici, Daniel, a eu à pouvoir aussi vous faire savoir effectivement c'est le départ de sa maman. C'est une famille que je connais aussi parce que à El Salvador, ils m'ont reçu avec beaucoup de joie et Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir être avec eux pendant un laps de temps puis partager aussi la parole de Dieu. Et il agit aussi d'une manière tout à fait particulière. Et c'est aussi par ces moyens-là que Dieu a permis aussi que nous puissions connaître notre frère Daniel, donc de El Salvador. La maman de notre frère, vraiment c'était une précieuse sœur. Oui. Et Dieu est tellement bon que lorsque le frère a perdu donc sa maman, il lui a accordé la grâce d'être consolé par la présence de notre frère. Et cela, c'est aussi une joie pour moi de recevoir ce précieux frère. C'est le frère Cagnas, c'est donc le papa de notre sœur qui est venu de El Salvador ici en Belgique. Je pense que ce soir, pour cet après-midi, ou ce matin, peut-être ils sont là ou ils sont pas, je sais pas tellement s'ils sont là. Oh, God bless you. Come, il parle seulement l'espagnol. My precious brother, can you come with the brother that I want just for you to introduce him? Yes, let him come, please. So, je vous invite donc à accueillir notre précieux frère, Cagnas. Et notre sœur, son épouse. Dieu se bendiga mucho, hein. Estoy muy contento, hein. C'est vraiment que Dieu te gagne. C'est précieux, c'est un précieux frère. Vous savez, quand je suis parti, quand je suis parti à El Salvador, c'est un des précieux frères qui m'a accueilli. Et on a passé de très bons moments ensemble. Il était toujours là. Lui me connaissait quand même. Et j'étais heureux de pouvoir le trouver. So, je lui suis vraiment reconnaissant et à ma précieuse sœur aussi, parce que quand nous étions là-bas, j'ai pu voir des frères et des sœurs aussi avec nous, avons eu la communion aussi. I'm so happy. Because when I was there, so we had the privilege to have some meeting with the brothers and sisters. And then I was so that I saw the sisters was there and the brother was there, so we have just a wonderful time together. Yeah, and I do remember also the time that we went somewhere. Just they give me something which was chapata. So I hate chapata. Yes. Something which is resume. Yeah, pupusa. Pupusa. That was so. God bless you richly. Thank you very much for coming to Brussels. I'm very happy. Yeah. Now I want to pray for them. Yes, and then I want the congregation also to pray. Yeah, do you want me to pray in English? No, I think it's fine in French. No problem. If you want me to pray in English, you want to translate, no problem. Oh, okay. So let us pray. Let us stand up, then we can pray. Most precious Lord and Savior Jesus, I bow my head before the throne of grace, Lord, to give thanks to Thee. You are so precious to us, Lord. I pray for my precious brother Kenya and his wife, my dear sister, Lord. You brought them from El Salvador here to Brussels, too. And we are together here. They came in the right time, Lord, to comfort our precious brother Daniel. Lord God, you are so great. You are really the comforter. You are so wonderful, Lord. Bless my precious brother. Bless also my precious sister, and also comfort my precious brother. Oh God, and all family, though, we pray for them.
that you may also remember what how his, our sister was so a good sister to us also. Bless the family. Remember all the brothers and sisters there in El Salvador. Bless them and be with them also. In the precious name of our Lord Jesus, I pray. Amen. God bless you. Thank you so much. Just a minute, guy. Ah oui, c'est merveilleux, hein? De pouvoir les avoir ici. Vous savez, à cette époque-là, j'ai dû voyager de Mexico, et puis Veracruz, et de Veracruz, c'était encore... j'ai oublié encore cette ville ici. Avant d'arriver à El Salvador, Guatemala. Donc j'ai fait le Mexique, et puis j'ai fait Guatemala, et puis aussi El Salvador. C'était des moments tout à fait précieux que Dieu nous a vraiment accordés. Le Seigneur fait toujours de merveilles, hein, et c'est vraiment des moments extraordinaires. Je n'oublierai pas ces périodes-là, parce qu'il a commencé depuis Mexico, et El Salvador, et puis Guatemala, il était toujours le même. Et puis on arrive à El Salvador, c'est toujours le même. Vous savez, là, c'était merveilleux de voir qu'à El Salvador, quand je suis arrivé, alors c'était d'abord le pasteur qui était dans l'assemblée. Il a dit qu'avant de pouvoir demander à la congrégation de pouvoir venir, ce que nous voulons, c'est d'abord vous entendre, entendre effectivement ce que vous avez apporté. Si on trouve que c'est vraiment de Dieu, évidemment, bien on enverra la congrégation par après. Alors, toujours avec ma Bible. Et alors, nous avons eu à pouvoir avoir des moments dans la parole de Dieu. Et après la réunion, un par un qui passait, qui remerciait Dieu. Et de pouvoir avoir cette grâce ensemble, de pouvoir aussi avoir cette parole. Et nous avons pu avoir la communion ensemble après. Donc les églises se sont donc rassemblées. Je remercie Dieu parce que c'était un moment qui était tellement aussi extraordinairement merveilleux. Et mais les combats viennent toujours par après. Et parce que quand on se tient dans la parole de Dieu, alors vous voyez, mais je crois que vous le savez, ce qui s'est passé là-bas. Mais nous remercions Dieu, notre Seigneur, pour sa fidélité et sa bonté aussi à notre endroit, de manière à ce qu'effectivement nous puissions réaliser que c'est Dieu que nous servons, il demeure toujours le même. Il se peut que parfois nous arrivons à pouvoir exprimer la parole en disant il est le même parce que par l'habitude effectivement, mais nous devons vraiment être sûrs et certains, je veux que vous le compreniez, il est vraiment le même. Jamais c'est Dieu, peu importe que Dieu te bénisse, peu importe les circonstances, n'oubliez jamais cela, peu importe les circonstances ou même la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver, Dieu ne peut pas changer. S'il a dit qu'il est le même, il est le même dans tous les sens. Pour pouvoir, pour tes besoins, il est le même. Pour ta guérison, il est le même. Pour ta délivrance, il est le même. Jamais Dieu ne peut faillir. Puisqu'il est Dieu, il a la puissance, il a la toute puissance en fait de pouvoir même changer la situation. Une chose qui était impossible, il change la situation pour que tu réalises qu'effectivement que tu n'as pas cru en vain, que tu n'as pas cru en un Dieu qui est inexistant, mais c'est un Dieu qui est vivant. Il accomplit effectivement jusqu'à aujourd'hui. Mon frère et ma soeur, j'aime Dieu parce que il a toujours eu à pouvoir rester pareil. C'est pour ça que c'est un Dieu aussi que tu peux aussi mettre à défi. Ah oui, mais c'est la vérité. Peu importe l'état de la situation dans laquelle tu peux te trouver, mais quand je parle de défi, c'est de pouvoir lui demander en fait que ce que toi tu as dit, tu as promis que tu le ferais. Tu as dit que si on croyait que tu allais le faire. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est-à-dire que Dieu te dit, tu ne peux pas échouer. Alors mon frère et ma soeur, puisqu'il est le même, on peut lui demander. Le problème, c'est la peur que nous manifestons en nous, en fait. Est-ce que ça va se passer? Quand tu arrives à ce point-là, alors ne fais rien. Mais quand tu es convaincu qu'effectivement, que s'il a dit, il a la capacité de pouvoir le faire, effectivement, alors peu importe ce que moi je peux avoir, alors Seigneur, je viens vers toi. Parce que je sais que tu as fait la preuve. Mon frère et ma soeur, je ne sais pas, mais mon frère et ma soeur, peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver,
Que ça soit la maladie, le problème de travail, le problème de séjour, le problème des maisons, je n'en sais rien du tout. Peu importe ce problème-là. Aussi vrai que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les Yahvé, l'Ancien Testament, que le Nouveau Testament est toujours le même. Frères et sœurs, je te demande si tu peux venir ici. Tu as cela. Si tu as simplement la foi. Tu as simplement la foi. Mais oui, mais il est le Dieu de sa parole. Mais non, mon frère. Alors, de quoi moi j'aurais peur et toi tu aurais peur? Puisque nous prions le Dieu véritable. Il a dit, lorsqu'il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Alors, pourquoi avoir la peur? Puisque tu l'as dit, Seigneur. Moi, je me tiens là, mon Seigneur. Et j'ai confiance. Frère et sœur, quelle est la chose que ce Dieu ne peut pas faire? Il n'y a aucune chose. Et elle est témoin, votre sœur ici, de ce qu'elle a... C'est quand même extraordinaire. Non, Dieu manifeste effectivement que il est intégralement Dieu lui-même. Je lui disais, j'ai dit, Dieu a permis que tu viennes. Parce que quand je rentre, parfois que je rends des témoignages, les gens pensent qu'effectivement il exagère, il fait ceci. Mais Dieu permet aussi maintenant que tu puisses être témoin, que tu vois toi-même, que tu réalises effectivement que Dieu a sa capacité de pouvoir faire les choses. C'est important. Donc chacun de nous ici, nous devons avoir cette assurance dans notre cœur. Que le Dieu qui a dit dans sa parole effectivement qu'il est l'Éternel, qui nous guérit toutes nos maladies, qui est l'Éternel, qui pourvoit pour tous nos besoins, qui prend soin de nous, effectivement. Parce que, frère et sœur, moi, je peux me poser la question de pouvoir savoir, si tu ne le crois pas, alors pourquoi tu es devenu croyant? Si aujourd'hui, tu es toujours à te poser la question, est-ce que Dieu peut-il, alors pourquoi es-tu devenu croyant? Parce que si tu es devenu croyant, c'est parce que tu as eu à pouvoir croire que Dieu a la capacité de faire de moi qui est mortel. Parce que tu dois arriver à pouvoir réaliser que quelque chose se passait en toi. Que j'étais donc un mortel, maintenant je deviens maintenant quelqu'un qui a la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme cela que je suis venu à pouvoir croire en lui, parce que j'ai vu qu'il a la capacité de faire cette chose. Pourquoi les enfants d'Israël, effectivement, comme le troisième croyant qu'on croit effectivement qu'ils ont une capacité de voir? Mais c'est parce qu'effectivement qu'ils avaient déjà eu à pouvoir avoir les témoignages de leur Dieu. Ce n'était pas que c'était un Dieu comme ça qu'ils n'ont pas eu à pouvoir connaître, effectivement. Non, ils ont eu la témoignage, effectivement. Non, c'est Dieu ici, nos pères étaient en esclavage. Et non, parce qu'avant, ils n'avaient pas connu. Nos pères étaient en esclavage, effectivement. Ils sont sortis, nous sommes témoins parce que nous sommes les descendants de cela. Et puis notre père Abraham, effectivement aussi, mais sa femme Sarah était stérile. Donc d'une femme stérile, d'un monsieur vieux, qui n'a plus la force, effectivement, et nous sommes sortis de la postérité. Donc ils étaient un témoin, un témoignage, mon frère. Donc le doute ne pouvait pas être en eux. Je veux dire, mais c'est Dieu à la capacité, si nous sommes vivants aujourd'hui, et nous venons de l'impossible. Femme stérile, née stérile, effectivement, qui n'enfante jamais. Et puis vieille ménopausée. Et puis un monsieur aussi vieux. Simplement par la foi en ces dieux-là, nous avons Israël. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Et nous existons. On est la postérité de quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfant. Donc nous sommes les résultats de l'impossible. Alléluia. Il pouvait dire, mais ô roi, vis éternellement, mais pour nous ingénuer devant la fenêtre, jamais. Pourquoi? Mais parce que notre Dieu, alléluia, il a la capacité. Gloire à Dieu. Nous sommes des témoins venant d'un père assez âgé, d'une mère stérile. Alors vous voyez, mon frère et ma soeur, il faut que Dieu, parce que Dieu n'est pas un Dieu seulement de paroles. Non, Dieu est un Dieu d'action. C'est pour ça qu'il est Dieu, mon frère. Alléluia. Il a la capacité, mon frère, de changer
toutes choses, effectivement. Peu importe la condition, même si tu es mourant. Parce que mon frère et ma soeur, ce qui constitue l'homme, même les nerfs qui est mourant, qui l'a créé? Mais c'est Dieu qui a créé. Gloire à Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on nous fait savoir? Effectivement, que quand l'homme arrive à pouvoir atteindre un certain âge, oh mais oui, mais ses organes commencent à pouvoir un peu faiblir, effectivement. Ok, il n'y a pas de problème. Vous allez me dire, mais c'est à cause de la vieillesse, et maintenant moi, c'est pas bien. Moi, je pose la question. Adam, combien d'années il a vécu? Même à 200 ans, il avait encore des enfants au monde. À 300 ans, il avait encore des enfants. À 500 ans, il avait encore des enfants. Oui, monsieur. Alors d'où venait cela? Alléluia! N'est-ce pas ce même Dieu-là? Il peut te renouveler, toi! Gloire à Dieu! C'est pour ça qu'il a prouvé que je suis le Dieu qui donne la vie. Lorsque Sarah y arrive, il dit, le Dieu n'est-il pas capable? Il a restauré Sarah. Il peut te restaurer aussi. Alléluia! Oui, monsieur! Il est le Dieu de sa parole, mon frère et ma soeur. Donc, il peut guérir. C'est pour ça que nous disons qu'il est notre Dieu. Parce que nous savons la capacité qu'il possède. Ah oui, ah oui. Nous disons notre Dieu. Oui, les autres disent Dieu, mais nous disons notre Dieu. Oui, parce qu'il est Dieu, notre Dieu. Mais c'est la vérité, mon frère et ma soeur. Il est le nôtre. Alléluia. Les Yahvé de l'Ancien Testament, les Dieux de l'Ancien Testament, c'est notre Seigneur. Oh oui, oui, monsieur. Frères et sœurs, nous ne devons pas être comme des gens morts, hein, ou des gens qui n'ont pas l'espérance. Non, nous avons l'espérance. Peu importe, même quand on voit que tout se courbe, on sait une chose, qu'il y a un qui redresse. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma sœur. Vivre par la foi. Et il a dit, mon juste vivra par la foi. Jamais Dieu ne t'a demandé de pouvoir vivre par la vue. Pour quelle raison? Parce que Dieu veut que tu sois un homme spirituel. Une femme spirituelle, bien sûr. Pas de rester charnel, effectivement, regarder ce qui est autour de toi, il va te décourager. Non, monsieur. C'est pour ça, ne fixe pas de regard sur un homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oh, qu'est-ce qu'il dira? Et pourquoi il n'est pas joyeux comme moi? Non, ne le regarde pas. Toi, regarde à celui qui te donne la joie, mon frère. Oui. C'est sûr et certain. Tes regards là doivent te tourner vers la vie qui c'est certainement cela, mais c'est vrai. C'est ça qui te fera vivre, mon frère. Si tes regards sont à gauche et à droite, regardez l'exemple de tous ceux qui nous ont précédés. Prenez Élisée, par exemple. Distraction à gauche, à droite, effectivement. Mais c'est sûr et certain. Sais-tu que ton bête va être enlevé, effectivement. Ainsi, mais ils sont assis. Mais lui, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, mais Élisée, taisez-vous, les vrais terres. Lui, regardez devant lui. Il suivait la personne. Aurélie tourne à gauche, il tourne à gauche. Mais reste là, Élisée. Il dit, non, 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 non. Non! Je ne vais pas aller à gauche, là où toi tu vas. Parce que je sais qui tu es. C'est important. Chaque homme, chaque enfant de Dieu doit avoir le regard fixé sur ce Jésus. Frère, c'est important que vous compreniez cela, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas historique maintenant comme tout le monde a Jésus. Non, 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 non. Le Seigneur doit devenir une réalité pour toi. Il est droit, mon frère et ma soeur. Jésus ne peut pas rester un inconnu pour toi. Jamais. Même quand le monde bascule et bouge à gauche et à droite, tu ne dois pas être dans la peur. Non. Tes regards sont fixés sur lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse au maître? Il va parler. Il a dit, il fait sortir ses brebis, c'est mes devants. N'est-ce pas vrai? Et ses brebis les suivent. Mais pour suivre quelqu'un, il faut le voir. Alors, si tu marches dans l'aveuglette, tu ne peux pas suivre la personne, parce que tu ne le vois pas, bah, évidemment. Mais toi, tu dois le voir. Il a dit clairement, il ne m'a pas menti, il dit, le monde ne me verra plus, et toi, il me vous me verrez. Pourquoi voulez-vous vous extraire de cela?
Mais puisqu'il vous dit que vous le ferez, mais je dois le voir. Dans toutes ces... Bien sûr, monsieur. Bien sûr, madame. Parce que je suis croyant. Mais en qui est-ce que j'ai cru? Il faut se poser la question. Si j'ai cru en lui, je dois le connaître. Et qui va diriger ma propre vie? Vous voyez, c'est pour ça que vous me regardez en étant frère et sœur. Les choses doivent vraiment complètement changer. On ne peut plus continuer avec des gens qui nous retardent à gauche et à droite. Non, ma sœur, non, mon frère. Non, ça fait des années qu'on a toujours des boulets qui nous retiennent à gauche et à droite. Non. Non, 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 non. C'est ce que la Bible dit, mais éloignez-vous. C'est absolument... Il y a un temps, mon frère et ma sœur. On peut supporter toutes ces choses qui sont... Bon, ça va parce que, bon, c'est quand même un temps. Mais quand il arrive à un temps où il faut arriver à pouvoir prendre une décision. C'est quand toi, tu as compris, effectivement, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Ah ben oui. Si Dieu veut faire quelque chose avec toi, regardez bien. Élisée, il ne s'est pas mêlé dans la masse. Il a compris. Parce que vous vous souvenez qu'est-ce que Dieu a dit à Élie? Il dit, mais oui, mais, il dit, mais tu oindras Élisée comme prophète à ta place. C'est arrivé. Il a pris simplement son manteau. Il était déçu. L'homme a compris. On ne lui a pas expliqué. Comment ça se fait qu'on ne lui a pas expliqué et qu'il a compris? Mais pour les autres, il faut beaucoup d'explications. Ça, c'est quand on est connecté, en fait. Dans le programme, en fait. Oui. Et quand il dit, toi viens, suis-moi, il ne les a pas expliqués. C'est plus tard qu'il leur a dit, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Je ne me suis pas trompé, vous connaissez, non? Il dit, je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas moi qui vous ai donc choisi? Donc, il est absolument nécessaire que tout un chacun... Frères et sœurs, nous n'allons pas au marché. Non, non. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Pas au marché pour aller faire des courses. On doit... Non, non, non. Nous allons au ciel. Et nous avons un rendez-vous d'une importance capitale. Il s'agit de l'enlèvement d'un homme comme moi, lourd. Essayez même de sauter, vous n'arrivez pas beaucoup. Un homme comme moi, lourd. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la loi de la pesanteur. Vous jetez en haut, il doit descendre. Moi, lourd comme je suis. Et alors on me dit, ce n'est pas n'importe qui a dit ça, c'est le Seigneur qui a créé la pesanteur. Que Dieu te bénisse. Qui a créé la pesanteur. Il te dit que l'un sera pris, l'autre sera laissé. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Il t'a pas laissé les ténèbres, mais il t'a dit même l'endroit où tu dois te trouver pour que toi, tu sois parti. Bien sûr. Il faut toujours prêter attention. Et j'aime les disciples, effectivement, ils sont connectés toujours. Ah oui, ils suivent pas avec distraction. Et puis, ils posent la question. Mais dis-le, Seigneur, tu as dit que l'un sera pris, l'autre sera laissé. Mais où sera, Seigneur? C'est ça la chose qui est importante. Il dit, mais où sera, Seigneur? Parce qu'on pouvait dire, c'est quelqu'un qui n'est pas connecté à cela. Il n'est pas attentif non plus. Parce qu'il écoute comme tous les autres, effectivement. Bon, il a dit qu'il y aura. Il me dit, mais non, 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 dit, mais Seigneur Jésus, ça veut dire qu'à l'intérieur... C'est que la chose que Dieu a placée le pousse à pouvoir poser la question. Parce qu'il veut avoir cette assurance de Dieu, effectivement. Et c'est Dieu qui le veut, hein, pour que toi, tu sois rassuré. Jamais Dieu ne peut vouloir que toi, tu sois en fait dans l'incertitude. Il s'agit de ceux qu'il a connus d'avance. C'est pour ça, il ne faut jamais oublier qui vous êtes. Pour l'amour de Dieu, n'allez pas dans les trains-trains des églises. Oui, 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 ne ressemblez pas à toutes les églises. Non, 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 non. Dieu a son église. L'important pour toi et moi aussi compris, c'est que nous soyons dans son église. Nous nous rassemblons ici pour que le Seigneur nous aide à faire que nous entrons dans son église. Je veux que chacun de vous comprenne cela. Donc, c'est l'église que le Seigneur lui-même a bâtie.
Donc, s'il a bâti son église, il dit que je bâtirai mon église. Moi, mon effort à moi, mon désir à moi, c'est d'être dans son église où lui, il est mon pasteur. Mais ben, il a dit, hein, je suis le bon berger. Dans les bons bergers, c'est-à-dire les pauvres bergers, c'est les pasteurs. Alors lui, il dit, j'appelle mes brebis. Donc s'il appelle ses brebis, ils ne sont pas mes brebis. Ah non, pas non. Ah oui, ça, chacun, tout un chacun de nous doit le savoir. Parce que parfois, on se met là, on a dans la tête effectivement que je veux, je fais, je fais. Non, vous pouvez faire dans vos églises catholiques, protestantes, plus ou moins bâties, effectivement. Mais quand il s'agit de l'église de Dieu, il faut du respect. D'abord, un, vous respectez les autres. Ah bah oui. Ah oui, le respect est absolu. De l'un comme de... Oui, nous devons. Ça doit. Quand on est là-dedans, d'abord, on est respectueux. On n'a pas de langage déplacé, effectivement, parce qu'on est dans un lieu saint, dans un lieu choisi par Dieu. Et quand nous sommes dedans, on n'a pas la considération de celui-ci. Et non. Nous observons simplement la conduite de l'Esprit de Dieu. Je voudrais vous... Ah, mais... Parce que là, vous... Non, vous inquiétez pas, je ne vais pas... Mais mon frère Jonas, il est où? J'avais demandé, pardon, que les briques, les piles soient rangées dans la chose, pour que quand j'en ai besoin, par exemple, je puisse... tu as oublié probablement. Ah, c'est pas bon, hein. Ah, yes, c'est que... Il faudra maintenant m'arranger ça pour que ça soit toujours... Tu devras gérer ici les briques et tout ça, ou même en avoir de... Alors, vous voyez, pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Ça, c'est un exemple assez important. Quand vous voyez, peut-être, vous voyez le Corim. Mais quand vous le voyez, regardez une chose. Et c'est là qu'on comprend effectivement ce que le Seigneur, notre Dieu, veut vraiment. Et ça, ça doit être dans chacun de nous, le peuple de Dieu et fils de Dieu. C'est ce à quoi toi et moi, nous devons vraiment viser davantage. Qu'est-ce qui se passe? C'est que comme l'apôtre Pierre, tu vois, les autres disciples ont posé la question, où sera le Seigneur? Il a dit que là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. N'est-ce pas vrai? Nous savons que quand on parle des aigles, eh bien, c'est ceux qui sont qui ont la même nature que Dieu lui-même. Donc, ils sont donc les grands aigles, c'est Dieu lui-même. Et puis, qu'est-ce qui se passe effectivement? Eh bien, puisque nous sommes de lui, effectivement, nous avons la même nature. On est donc des aiglons. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que ce sont des fils et des filles de Dieu. Quand on parle des aigles. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc si nous sommes fils et filles de Dieu, il y a cette nature de Dieu qui se manifeste en nous. Parce que Dieu est la parole. Alors ceux qui sont de la même nature que lui sont aussi... c'est la vérité. Puisque la parole de Dieu nous fait savoir que nous avons été engendrés par... Parole vivante, c'est que Dieu est une semence. Enfin, la semence, la parole de Dieu est une semence, c'est que nous sommes donc engendrés par cela. Ça, vous le croyez, non? Alors, vous remarquerez très bien que le corps, comme la Bible le fait savoir, c'est le corps de Christ. Donc, le corps de Christ, effectivement, aussi, c'est l'Église. Vous savez? Alors, on nous dit que dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, il dit, mais nous avons tous été abreuvés par un seul esprit. Est-ce que d'abord vous comprenez ce que ça veut dire? Un seul esprit. Ce n'est pas ton esprit à toi, ni l'esprit de ton grand-père, ni l'esprit de ton église, parce que l'église aussi a des esprits. C'est, chaque église a des esprits. C'est ce qui fait ce qu'ils sont. Ah oui, c'est vrai. Mais toi, Dieu a dit à toi quelque chose de particulier. Il dit, je vous retirerai dans les églises, dans tout le monde. N'est-ce pas vrai? Je répandrai sur vous une eau pure. Je vous purifierai de toutes vos suies. Est-ce que vous comprenez? Donc, toutes les doctrines que vous avez ramassées, que vous avez eu à pouvoir, que vous accrochez depuis que vous avez eu à pouvoir croire, Dieu nettoie toutes ces doctrines-là. Ce sont ceux-là qui font effectivement que vous conduisez d'une certaine manière et que vous agissez d'une certaine manière aussi parce que en rapport avec ce que vous avez reçu. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde me suit?
Alors, il dit, je reprendrai sur vous une roupure. C'est qui est 36, hein? Et qu'est-ce que je ferai si Dieu me dit, il dit, il n'a pas dit je changerai votre cœur. Il n'a jamais utilisé la de changer le cœur. Il dit, j'ôterai. Donc je vais ôter de vous le cœur de pierre. C'est écrit comme ça. Et qu'est-ce qu'il va donner? Je vous donnerai encore. Voilà. Donc c'est un cœur nouveau. Donc vous comprenez cela, non? Ce cœur est un cœur nouveau. C'est-à-dire que créé par Dieu, par la parole de Dieu, par la sainteté qui produit donc la vérité. Vous connaissez cela? Un homme nouveau, hein? Éphésiens au chapitre 4. Je pense, non? Alors, il nous dit effectivement que, et alors, je mettrai en vous un esprit nouveau, avec E minuscule. Vous vous souvenez? Donc, cet esprit nouveau dont il met en nous n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Non, 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 non. Parce qu'après, il nous dit, je mettrai en vous mon esprit. Donc, c'est le baptême du Saint-Esprit qui vient, effectivement, par la suite. Parce que d'abord, l'homme, c'est un homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est donc une nouvelle. Et Dieu vous bénisse. Alors, les choses anciennes, hein, et toutes choses sont devenues donc tout cela par qui? Par Dieu en fait. Est-ce que vous comprenez ce que vous avez répété tout à l'heure en disant les choses anciennes sont passées. Donc votre nature, votre façon de faire effectivement tout ce que vous avez en fait que vous manifestez à l'endroit de quelqu'un d'une certaine manière dans ce monde étant humain, toutes ces choses là c'est important mon frère et ma soeur, toutes ces choses là Dieu les a lui-même ôtées. Et quand est-ce qu'il les ôte ces choses là? Parce que j'ai eu à pouvoir beaucoup prier longtemps dans mon église, effectivement, que Dieu a eu à pouvoir faire cela. Non, messieurs. Non, 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 non. Quand est-ce qu'il le fait? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Il dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. C'est quand tu reçois Jésus le Christ. Le travail commence. Mais maintenant, posez-vous la question, mon frère. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Mais si toi, tu n'as pas cru au vrai Jésus de la Bible, là, tu ne l'as pas reçu, mon frère, est-ce que tu pourras avoir un nouveau cœur, un esprit nouveau? Il y a un problème que Dieu te bénisse. Il y a un problème. C'est pourquoi vous ne changez pas. La faute n'a jamais été de Dieu. Dieu a donné un don gratuit, mon frère. Oh, tu ne payes rien. Christ est mort gratuitement pour toi. C'est vrai, frère. Simplement croire en lui. C'est cela la chose la plus simple. Mais qui devient difficile pour l'être humain. Vous, en tant qu'humain, vous avez toujours à chercher des choses qui sont des, vous savez, des sensations, beaucoup de choses. J'ai vu des choses, j'ai dit, Dieu d'Abraham, l'homme tel que vous êtes, des croyants aujourd'hui, en fait, ils aiment effectivement beaucoup plus la fausseté, les sensations, les émotionnels. Oui, c'est la vérité, frère et sœur. Vous aimez beaucoup les sensationnels, les émotionnels, etc. C'est vrai, cela, c'est ça l'homme. Et il croit que Dieu est dans les sensations, dans les émotions. Dieu n'est pas là. Vous aimez les choses qui pétillent comme ça. Oh Dieu, non frère, ça c'est les diables qui aiment tellement faire frère mousser, pétiller effectivement. Non, Dieu est dans le calme. Mais dans les choses réelles. Quand Dieu fait, il est fait parfaitement. Dieu se respecte, mon frère. Oui, Dieu se respecte dans ce qu'il fait. Il ne va pas suivre ton cheminement, non, monsieur. Mais toi, tu ne peux pas rester tranquille. Tu aimes toujours. C'est ça, l'homme. Voici comment les hommes... C'est le temps, mon frère, de la séduction aussi grande qui se passe. Bien sûr que oui. Je regardais les gens, j'ai dit, Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Les gens croient aux mensonges, mais avec vraiment avec sincérité, dans dedans. Les mensonges. Seigneur Jésus. On te dit que pour avoir la bénédiction, il faut payer cela. Payer ça, donne la porte l'argent pour ça. Les gens emportent beaucoup d'argent.
ils y vont avec un zèle, effectivement, là-dedans. Mais quand tu viens, tu lui dis, mais c'est le sang de Christ. Amen. Ça ne marche pas pour eux. Frère, il faut mentir les gens pour que les églises se remplissent. Mais c'est vrai. À un certain moment, parfois, mais examinez-vous, hein. Quand vous entrez, vous asseyez, effectivement, que c'est la parole qui est donnée, selon la volonté de Dieu, ça commence à vous ennuyer. Mais qu'on vous raconte un peu des petites histoires comme ça, de ceci et de cela, et vous riez, oh gloire à Dieu, ah quelle parole, mais il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans, vous vous amusez comme des gamins dans la bac à sable, effectivement, et vous vous sentez bien, alléluia, mais tu dis alléluia à quoi? C'est la vérité, frère. L'homme n'aime pas Dieu. L'homme n'aime pas la parole. La vérité dérange. C'est sûr et certain. Le monde aujourd'hui est en plein dans la séduction. Et oui, c'est l'homme, il n'est plus... D'ailleurs, on voit que c'est toujours Dieu qui vient chercher l'homme. Qui peut s'asseoir et dire, Seigneur, mon Dieu, j'ai un peu là, aide-moi à pouvoir voir ce que toi, tu veux que je voie. Parce que ce que Dieu veut que tu voies, ce n'est pas ce que toi, tu vas vouloir faire. Vous voyez, moi ici, j'étais parti, j'ai dit, absolument, je prends l'avion, un jour, je m'en vais, petit moi là-bas, et j'étais toujours là, ah, Madagascar, ah, Madagascar, ah, Madagascar. Ben oui, c'est la vérité. Parce que là-bas, ils attendaient déjà beaucoup de... Ils disaient, j'arrive, Madagascar, Madagascar. Ah, j'ai dit, mais je pousse tout dans l'arrière de vos compagnons. Mais quand ils ont dit, mais c'est pas encore ouvert, monsieur. J'ai dit, comment ça va passer le temps? J'ai dit, bon, je tourne, je dois chercher la sortie par l'île de la Réunion. Là, j'y vais là-bas. Là-bas encore, il faut encore faire un test nasal. Parce que bon, sauf quand on n'est pas vacciné. Ah, je ne vais pas vous raconter ça, monsieur. J'ai dit, bon, c'est pas grave, mettez toujours, mais problème. Tu arrives là encore, condition. Ouais, là, beaucoup de problèmes. J'ai dit, bon. Alors, j'ai dit, mais je vais aller là-bas. J'ai dit, oh, c'est pas possible, c'est petit. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit, mais regarde, voilà, je me réveille encore. Ah, c'est quoi là? Non, non, monsieur, il y a encore rien qui est ouvert. J'ai dit, ah, Seigneur. Et là-bas aussi, frère, oh, là, tout le monde pleurait. On est parti même au ministère. J'ai dit, mais là-bas, c'est. J'ai dit, bon, maintenant, j'ai dit, alors regardez Dieu comment il est bon. J'ai foncé le pont et demandé votre corps. Je me réveille le matin, la nuit je dors, je prie, je me réveille le matin. J'ai dit, moi, je connais personne à l'île Maurice. Et puis, je. Qu'est-ce que je dois faire à l'île Maurice, moi? C'est une trampoline. Un passage est passé. Ah, il est Dieu. Amen. Je fonce, il dit, bon. Alors, nous étions à... D'abord, quand je suis arrivé, le premier jour, j'avais seulement réservé l'endroit où je devais être, donc à l'île Maurice, pour une nuit. C'était une nuit. Juste une nuit. J'ai dit, monsieur, on réserve une nuit. Alors, le lendemain, je devais donc prendre le bagage et partir. La frontière aussi close. Je suis abdimensionné là. Et là, j'ai eu la joie d'avoir de bon roi. Et Dieu la bénisse. Elle n'est pas quoi, mais. Je pense qu'à partir d'ici, je peux quand même réserver un hôtel pour toi. J'ai dit, réserver un hôtel pour moi. Parce que moi, je ne suis pas pour. Je suis toujours Madagascar. Elle a réservé. Et puis, comme le lendemain, je suis parti à Madagascar, je me suis parti là où elle m'a dit, ah, c'est bien. Et puis, avec elle, oh, c'est bien. Nous sommes bien. Oh, nous respirons bien parce que c'est un paradis. Et puis, je me réveille. Elle me regarde, ah, c'est très beau, il nous a donné bon un bel endroit, on est bien. J'ai dit, et puis, je la regarde, j'ai dit, il y a quelque chose qui cloche quelque part ici. Oui, j'ai dit, je téléphone d'abord là-bas à la réception, passez-moi la compagnie aérienne. Monsieur, oh, toujours ferme, j'ai dit, ok. Et puis, je la regarde, j'ai dit, écoute, il y a quelque chose qui se passe. Toi, moi ici, je dois retourner
à l'endroit où j'avais payé pour un jour là. Et ce monsieur s'appelle Laurent. Elle rit parce que... Alors il me dit, oh, nous sommes bien ici. Restons ici, parce que ici c'est bien, là-bas quand on est, c'était pas beau, c'était pas bien. Ici nous pouvons rester, je suis bien. Moi j'ai dit, oui, tu es bien, mais là-dedans, on me dit, rentre chez Laurent. Chez Laurent, c'est pas beau, oui, c'est bien. Je dis, là-bas, je veux souffrir. Je dis, pas de problème. Mais moi, ici, parce que je ne dois pas rester ici, je dois rester. Je ne sais pas pourquoi on me dit, allez chez Laurent. Elle est là. Je lui dis tous les jours, je dis, Laurent. Je dis, mais qu'est-ce que c'est Laurent là à voir avec toi? C'était quand même un endroit où on a loué. Et qu'est-ce que tu dois avoir avec Laurent en question? Je dis, pour qui tu dis? C'est lui qui me parle, il me dit, Laurent. Et puis, je commence, j'étais avec elle, parce qu'on s'est dit, non, moi, je me sens bien, c'est comme j'en prête ici. Alors, je lui ai dit, mais écoute-moi bien, je vais te dire une chose pour que tu comprennes bien. Hein, ici, tu es bien. Et puis, moi, même si tu n'aimes pas Laura, à cet endroit-là, mais on dit toujours Laura la police. C'est-à-dire que Laura la police. Donc, toi et moi, retournons quand même là-bas. C'est vrai, elle est là, hein. Et je vous dis la vérité, il est là. Il dit, mais pourquoi quand même, Dieu, Laurent, c'est pas possible, on a eu des problèmes, c'est pas possible, dit, c'était bien qu'on a fait un jour. J'ai dit, ok, mais moi je t'ai dit, abandonnons ici, on est bien, retournons chez Laurent. Elle a pleuré, j'ai dit, bon, pas de problème. Et voilà qu'on prend les bagages. Et téléphone, Laurent, est-ce que je peux encore avoir chez toi? Dit, oh, c'est bizarre, hein. Là, vous êtes. Dit, bon, il dit, oui, il n'y a pas de problème, il y a la place. Il dit, ok, à quand elle a entendu qu'il y a la place, il dit, il a espéré que Laurent dit, c'est bouclé, c'est nous, il n'y a pas de problème. Et on prend la valise, les taximens, parce que là-bas, c'est les taximens de loin, puis on va aussi loin. Et on arrive, on dépose les bagages. Il nous voit, Laurent, il nous voit là, les bagages, puis on sort là, et puis lui-même était là aussi. Et puis, je prends le bagage, laisse là, on fait rentrer. Et puis, il y a une valise qui était encore là. Et puis, tout d'un coup, comme ça, c'est Laurent tourné comme ça autour de l'endroit où nous étions. Et puis, je ne sais pas comment c'est passé, où j'ai lui parlé de, je ne sais pas c'était, si c'est Solomon, je ne sais pas si c'est bien, peut-être un nom que j'ai cité. Jacob. C'est Jacob. Et puis, quand j'ai dit, bon, est-ce que Jacob et son, ou tu sais, de nouvelles, ils sont bien, j'ai posé la question comme ça, parce qu'on mettait des valises comme ça, je sais pas. Et alors, il y a ces Laurent-là qui se rapproche de moi. J'étais encore avec la sueur et les marrages. Elle est témoin. Alors, je vois, il s'approche comme ça. Il me regarde, il me dit, j'ai entendu que vous appelez votre fils. C'est votre fils. Il dit, oui, Jacob. Je dis, oui, Jacob. Ah, ici, il a un nom biblique. Je dis oui. Un nom biblique, oui, la plupart. Alors, il s'assied. Alors, à peine arrivé, hein. Et puis, moi aussi, je m'assieds. J'avais encore la transpiration et ça. Parce que là-bas, il fait chaud. Alors, il me dit, ah, j'ai entendu, comme j'ai entendu vous parler, qu'il y a des enfants qui ont des noms bibliques. Je dis oui. Je ne lui ai rien dit. Il dit, j'ai ça dans mon cœur que je dois vous parler. Moi, je dis, ok, je suis à vous. Voyez-vous, moi, quand j'étais jeune, quand j'ai eu un moment, et puis je croyais en Dieu. Mais après, c'est la foi a commencé à pouvoir être vraiment bousillée partout. Je ne savais même plus très bien que Dieu existe encore dans ce sens comme ça. Et puis, je suis allé même dans la religion musulmane. Pour quand même arriver à pouvoir voir si les dieux de musulmans étaient bons, s'il existait effectivement, ainsi de suite. Mais quand j'étais là, quelqu'un me dit, mais Laurent, mais on voit que vous êtes chrétien. Qu'est-ce que vous venez faire ici chez les musulmans? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, je viens chercher. Il dit, non, mais toi, tu es chrétien. Il dit, mais quoi faire quoi chez les musulmans? C'était un musulman où j'ai là-bas. Alors, dit ça, ça m'a quand même choqué. Et puis, j'ai vu un monsieur aussi qui était là-bas, qui était venu aussi pour un croyant, un chrétien qui était venu, qui voulait aussi devenir musulman. Et puis, il m'a posé la question. Il dit, mais parle-moi un peu des choses. Comment, parce que Dieu, la Bible et tout ça, mais bon, ça. Il dit, mais j'ai commencé à pouvoir lui parler, lui montrer, effectivement. Et, chose bizarre, moi-même qui n'étais pas convaincu de la religion, je veux dire, en lui parlant, lui, il était convaincu. Il a voulu quitter l'islam. Puis, je me pose la question. Je dis, mais c'est quoi vraiment ce qui se passe?
Et alors, vraiment, ma foi jusqu'à aujourd'hui, là, tu vois, elle est un peu comme ça. Et j'ai senti que je devais vous parler. J'ai dit, pardon. Oui, j'ai senti que je devais vous parler. J'incline la tête, je la regarde à elle. J'ai dit, Seigneur, tu es vraiment Dieu. Donc, Laurent, que tu me disais de venir ici, là. C'est Laurent, là. Tu savais qu'il avait un problème. Tu savais qu'il te cherchait d'une manière ou d'une autre. Elle était moi. Elle était assise en train de me regarder. J'ai dit, tu vis l'expérience. J'ai dit, Laurent, j'ai dit donc, c'est-à-dire que oui, comme je suis là, vraiment, dans mon intérieur, toujours, j'ai dit, monsieur, vous ne me connaissez pas. Bon. J'ai dit, le Dieu, donc, toi, tu ailles à pouvoir chercher à fouiller. Alléluia. Il a fait en sorte que la vie tourne quelque part. Bravo. Donc, j'ai dit, il y a des hommes sur la terre. Qui doit dire, je t'aime Jésus. Oui. J'ai dit, quel privilège, mon Dieu d'amour. Quel privilège, tu ne te rends pas compte. Quel privilège. Je lui ai annoncé l'évangile. Il a pleuré. Il a cru. Il a reçu le Seigneur. Il m'a amené même chez lui à la maison. Il est avec moi. Et vous savez la meilleure, frère. Quand Laurent a cru, il a parlé à sa maman. Sa maman, le cœur touché. Nous sommes allés même là-bas, effectivement, aussi. Quand Laurent a cru, le lendemain, Alléluia. Je téléphone là-bas, à la compagnie, il dit, monsieur, on vous cherchait. Oh. Il dit, pourquoi? Mais la frontière est ouverte. Oh. Ah non. 100% vrai. Et les témoins. J'ai dit, Dieu. Non, l'honneur t'est dit. Tu es glorieux, mon Seigneur. Ah, non. Vous savez, nous ne servons pas un Dieu qui est mort, ou qui fait des choses par hasard, effectivement, ainsi de suite. Non! Les dieux que tu crois, effectivement, crois-le de tout ton cœur, et sois sûr et certain, n'envie jamais personne. Peu importe ton état, mon frère. Peu importe ton état, ma soeur. N'envie personne. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Alléluia. Ce qu'il fait, c'est bon pour toi. Gloire à Jésus. Il est vrai, mon frère. Jésus-Christ est vivant. Il cherche toujours les derniers. Et ça, c'est la vérité, mon frère. Il ne manquera jamais, c'est sûr et certain. Peu importe l'endroit où on peut arriver à pouvoir l'enfermer. Il est le maître de l'univers, mon frère. S'il t'a connu, s'il te connaît, il ne te laissera jamais. Jamais, mon frère. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a choisi. C'est pour ça que tous ceux qui sont de Dieu, il y a toujours quelque chose de l'intérieur qui aspire à la vérité. Malgré les comédies qu'on voit à gauche, malgré les patates là, effectivement, ils ne sont pas satisfaits. Il y a quelque chose au-dedans qui leur manque, effectivement. C'est cette nature divine, effectivement, que Dieu a placée. Parce que c'est Dieu-là a fait en sorte qu'effectivement, que dans votre intérieur, à l'intérieur, c'est lui que Dieu a choisi. Regardez très bien, pour que vous puissiez comprendre aussi cela. Vous vous souvenez effectivement que parmi tous ceux qui étaient des disciples qui le suivaient, quand il a dit, c'est lui qui ne mange ma chair ni ne boit mon sang. Quand on est de Dieu, on ne trouve pas la parole de Dieu difficile. On ne cherche pas effectivement de contours pour que on le facilite pour moi, en fait. Non, on veut la vraie. Peu importe, parce que le monde aujourd'hui, il veut toujours la substitution des choses qui ne sont pas vraies, comme ceci et cela. C'est là parce que la fausseté attire beaucoup plus de gens. C'est ce que la Bible nous fait savoir, que pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, ta parole est la vérité. C'est comme quand aujourd'hui, il y a une pression dans la mode. Il y a une pression, oui, dans l'habillement. On veut être comme la mode le veut. On veut ceci, on veut cela. On veut paraître. C'est vrai. Toute femme voudrait
plaire, en fait, et surtout quand ce sont des jeunes filles, effectivement, on veut exposer tout ce qu'on veut, effectivement, pour que... C'est un esprit, en fait, dans le monde. Mais quand toi, tu arrives à pouvoir, en tant que jeune, te tenir dans les saintes écritures, glorifie Dieu. Ce que j'ai toujours eu à pouvoir dire, on ne doit pas suivre derrière les gens et habille-toi comme il faut, ceci et cela. Le plus important que j'ai toujours eu à pouvoir dire, prêche la parole. La parole de Dieu a plus d'autorité que nous. Ça, je regarde effectivement aussi les gens qui se mettent à pouvoir prêcher l'évangile. C'est ça en fait qu'ils ne se rendent pas compte des grosses erreurs. Parce qu'ils n'ont pas eu à pouvoir vraiment connaître Dieu. Ils vous prêchent effectivement avec leur désir que vous fassiez comme ils vous disent de faire. Et c'est ça, c'est pitoyable parce qu'en fait, Dieu n'est pas dans la chose. Non. Il faut que quand moi j'ai prêché comme ça et je veux que vous êtes obligés de pouvoir faire comme je veux, ainsi de suite. Mais non. Dieu ne m'a pas... C'est parce qu'ils ne sont pas envoyés de Dieu. Parce que quand Dieu t'envoie, effectivement, il y a une tâche qui t'a donnée, effectivement, c'est de prêcher la parole. Pas d'obliger les gens. Pas que les gens puissent se conformer à toi. Ah non, c'est ça l'erreur, parce que les gens se sentent, c'est quand il a prêché, il veut, c'est ça que j'ai à pouvoir donner. Et puis vous aussi derrière, alléluia, 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 alléluia. Et lui, c'est ça la tête qui monte. Les mauvais esprits, c'est des gens... Oui, bien sûr. Je prêche ça pour que tout le monde comprenne. Hein. Amen. Le mauvais esprit, c'est ça qui est un danger. Hein. Quand on prêche, qu'on se sent satisfait et qu'on sent que les gens viennent te dire ah, que c'était beau, ah, que ceci et cela, alors c'est un danger parce que, oui, on peut apprécier la parole de Dieu. C'est la personne qui doit comprendre aussi. Puis la personne qui faut être spirituel. Alors ce qui fait que les diables, il est très fin, il est malin, il guette cela. J'en ai vu beaucoup, hein. Et alors il se glisse effectivement, et la personne effectivement, et c'est que j'ai dit prédicateur, c'est pas pardon, si même on l'invite, d'abord, bon, quand il était simple, mais si on l'invite et qu'il s'assied bien pour écouter la parole, il ne va pas écouter la parole pour que lui-même soit nourri, il va écouter la parole pour entendre si on dit ce que lui l'a dit. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est sûr. Il va écouter, est-ce qu'on aura prêché? Est-ce qu'on va confirmer ce que moi j'ai dit? Et dans ce sens-là, mais c'est pas ça, vivre la parole. Et c'est ça, en fait, que l'apôtre Paul dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Toi, tu prêches la parole. Tu ne t'occupes pas de ce que lui va penser, ainsi de suite. C'est la parole que l'on prêche, n'est pas la mienne. Et si les hommes doivent être reconnaissants, ils doivent être reconnaissants à Dieu. Bien sûr, ils peuvent dire, frère, en tout cas, ça nous a touché, gloire à Dieu. On est heureux qu'on peut entendre ça de cette manière. Mais tu ne dois pas chercher que les gens puissent te voir. Non, cherche que les gens voient la gloire de Dieu. C'est ce que beaucoup ont eu. C'est pour ça que beaucoup aiment tellement vouloir prêcher parce que, et c'est ce que je vis dans tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai passé une expérience extraordinaire auquel Dieu m'a fait asseoir. Je regardais, j'ai dit, Seigneur, que tu nous aides. Oui, que tu nous aides. Parce que ça, c'est, le diable est tellement rusé qu'il détruit beaucoup de gens, d'une certaine manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, j'ai comme si je venais de pouvoir passer cela, effectivement, en voyant. Je pleurais parce que je voyais comment les gens étaient mal conduits. Et surtout, pour les gens qui se prétendaient avoir des titres, surtout des grands titres comme ça, et ils font faire aux gens des histoires, mais que les gens acceptent. Ah, que les gens acceptent effectivement à cela, effectivement, de certaine manière. Bon, bref, donc, nous comprenons, je disais tout à l'heure, effectivement, que regardez, effectivement, quand le Seigneur a dit, celui qui ne mange ma chair, ni ne boit mon sang, apprend la vie. Les gens ont commencé à pouvoir dire, parmi les disciples, ils disent, mais qui peut écouter de telles choses qui sont tellement dures, effectivement, quand il a dit, mon sang est un breuvage et ma chair est une nourriture. Ça frappait les gens. Ils le regardaient tous les jours comme ça, on se pose la question, mais ils suivaient qui en fait? Parce que depuis le début, le Seigneur a posé la question à ses disciples, qui dites-vous donc que je suis? C'est-à-dire qu'il voulait savoir si ses disciples le connaissaient.
Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un où vous avez une position de peut-être. Ce n'est pas bon pour vous. Soyez sûr et certain de Dieu. Sûr et certain de la personne avec qui vous marchez. Tu ne peux pas épouser quelqu'un que tu dis, bon, comme j'entends souvent la plupart des gens, oui, mon grand, j'entends la plupart des gens qui disent oui. Et même si je ne l'aime pas, mais avec le temps, je vais quand même l'aimer. Avec le temps. Et c'est le temps qui va t'aider à aimer une personne. Et si le temps change? Donc tu avances avec le changement des temps. Dans les mariages, il faut être sûr et certain. C'est lui ou c'est pas lui? Si c'est lui, c'est celui-là. Là-bas, on va te forcer, me dit, aime-le quand même. Hein. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Mais bon, avec le temps, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais aime-le avec le temps, tu vas l'aimer avec le temps. Non, pas avec le temps. Il faut que la personne soit convaincue que j'aime cette personne. Parce que avec le temps, et quand le temps va passer, ça peut marcher. Hein? Mais quand le temps va passer, ça va changer. Je vais un peu essayer pour voir si. On essaye. Non, je prends, même si ça devient amer, je sais ce que j'ai fait. Donc le choix que je posais, je ne le fais pas avec des désinvolture de pas comme ça, mais je suis conséquent. J'ai dit, c'est celui-là que j'aime, ou c'est celle-là que j'aime, mais peu importe. Que ça monte, ça puisse descendre, et surtout que avant que je pose mon dévolu, hein, oui, vous me regardez, hein, j'ai d'abord cherché la face. Le grand problème avec les gens, écoutez bien, s'il vous plaît, d'abord, vous pouvez comprendre, c'est important, si je ne vais pas rentrer trop dedans. Regardez très bien. Vous savez, frères et sœurs, ça, vous devez comprendre, mais soyez spirituel. Il faut que vous compreniez une chose. La plupart du temps, on dit, ouais, tu es indépendant, tu peux faire ce que tu veux, tu choisis comme tu veux. Enfin, je veux dire, hein, tu es indépendant dans l'hôpital, tu es indépendant. C'est... Frères et sœurs, dans les choses qui sont de Dieu, il n'y a pas d'indépendance. Amen. Amen. Il y a toujours la dépendance. C'est absolument important que vous compreniez cela. Vous savez, frères et sœurs, bon, peut-être que. Il n'y a que 50 postes. Dans les choix qu'on doit arriver à pouvoir poser, il y a toujours quelqu'un sur qui vous avez vraiment pleinement confiance. Amen. Et sur qui vous devez arriver à pouvoir vous référer toujours. X, Y, nous. Et Salomon, hein, il a dit, hein, la corde à trois fils ne seront pas faciles. Ces trois fils, donc, ne seront pas faciles. Toi, elle, ou elle, toi, elle, ou toi, elle. Et au milieu, il y a toujours Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pas les choix parce que la famille m'épouse. Ou parce que c'est ceci et cela, et ça se passe ainsi d'une certaine manière. Les choix parce que Dieu le veut comme cela. Et parce que j'ai prié aussi Dieu, parce qu'il faut être sincère. Quand j'ai prié Dieu, tout mon corps, effectivement. Alors, le Seigneur, notre Dieu, m'a aussi éclairé. Vous comprenez ce que je dis. Parce qu'il est important de pouvoir savoir, frère, il y a un certain orgueil qui s'élève chez des gens aujourd'hui. Des frères et des sœurs. Il dit, de toute façon, je suis indépendant. Je suis spirituellement aussi mature. Ah oui, oui, oui. Il se camouflait par nous sommes Dieu. Parce qu'en tout cas, je ne crois pas que le Dieu que nous servons est un Dieu qui n'est pas sage. Parce que
Expliquez-moi, par exemple. Pourquoi Dieu aurait-il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, si ces bergers-là ne serviraient pas à quelque chose? Et puis je répète encore, c'est cela que vous devez comprendre, parce que bon, c'est important pour vous, parce que le diable est tellement si rusé, oui, qu'il veut vous donner ce que vous voulez comme indépendance, et faire de ce que vous voulez comme vous le voulez, et passer outre, effectivement, ce que Dieu fait. Ah ben oui, je vous pose la question. Vous savez ce que c'est qu'une brebis? Et nous nous appelons tous des brebis. Alors, qu'est-ce qui se passe entre la brebis et le berger? Une brebis dépendra toujours du berger. Du berger. Peu importe ce que vous pouvez arriver à pouvoir avoir comme dépendance. Indépendance, mais une brebis aura toujours. Et toujours. Et c'est cela qui montre en fait la marque, l'effet que la personne ici, elle s'accroche à la parole de Dieu parce qu'elle respecte les principes bibliques. Parce que ce n'est pas une brebis de pouvoir conduire les choses. C'est au berger de pouvoir conduire la brebis en fait. La brebis ne se conduit pas elle-même. Le berger conduit donc la brebis. Alors si Dieu, en général comme il a dit, de David, c'est un homme selon mon cœur, et que Dieu a donné David, effectivement, selon son cœur, effectivement, aussi à Israël, et qu'on revienne, effectivement, aussi comme le Seigneur Jésus-Christ, et les bergers, donc, de l'Église, effectivement, aussi, d'une certaine manière. Enfin, effectivement, ce qui veut dire que toi, tu ne peux pas être indépendant. Tu dois toujours être dépendant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce qui veut dire que quand on parle de dépendant du Seigneur, il faut vraiment l'être de 100%. Bon, maintenant, écoutez-moi, je vais seulement passer outre rapidement. C'est ce Seigneur-là, Christ, qui a dit que il a donné les uns comme. Donc, s'il a donné les uns comme, effectivement, c'est pourquoi, en fait? Parce que sinon, vous pouvez vous perfectionner vous-même. Parce que c'est la logique qui sort. Ah, vous ne pouvez pas, toujours le pasteur, toujours le pasteur. Je ne vous ai pas dit de pouvoir venir à mon bureau, je vous laisse maintenant. Mais on voit, ah non, c'est important, parce qu'il y a quelque chose qui sort, effectivement. Mais on voit, en fait, dans les personnes, en fait, c'est que les personnes veulent, effectivement, pour se dire, ah, je suis spirituel, donc je peux faire, Dieu m'a conduit, Dieu m'a fait ceci. Mais vous pouvez pas dire que Dieu vous a conduit dans cette circonstance-là, si quand même la personne qui est avec vous, qui Dieu utilise pour pouvoir vous conduire, n'a pas eu à pouvoir aussi avoir la même chose que vous avez. Sinon, quelque part, Dieu se trompe quand même dans la conduite. Non, l'ordre doit revenir, effectivement, dans les domaines spirituels, en fait. C'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Je vais vous donner un exemple. Et parce qu'il était à ce moment-là. Quand j'ai terminé juste de pouvoir prêcher là-bas, donc où j'étais, donc ça c'était la réunion du matin, pour la première fois, beaucoup d'âmes ont reçu le Seigneur comme leur sauveur personnel. Puis, on a terminé la réunion, je n'ai rien demandé, je me suis assis à côté. Ce sont eux-mêmes qui quittent là-bas, qui viennent ici, qui disent, pasteur, nous avons besoin que vous priez pour nous. Vous avez les témoignages que vous nous avez rendus là. Eh bien, c'était mon problème, c'était mon problème. Tu parlais là, c'était mon problème. Je voudrais vraiment que vous priez pour moi ici. Moi, je pose la question, je veux savoir, mais qu'est-ce qui vous pousse à pouvoir venir me voir? Pour quelles raisons, en fait? Qu'est-ce qui vous pousse à voir? Mais c'est parce qu'en fait, la personne a été touchée dans son cœur. Et c'est pas moi qui ai touché la personne. C'est Dieu qui touche le cœur de la personne. Alors, comment ça, comment je dois faire? Parce que la personne vous pose la question, elle dit, mais Dieu, je vais le recevoir, mais où il est Dieu? Mais il voit que cette personne, c'est celui par lequel Dieu m'a parlé. Donc, si je m'en vais vers cette personne, comme Dieu a touché mon cœur, Dieu me donne la réponse de cette personne-là. Ça, c'est simple à comprendre, mon frère. C'est pour ça que c'est absolument important, frère et sœur, pour que nous puissions marcher avec Dieu. Il faut que nous puissions comprendre comment Dieu opère. Et comment si moi aussi, je suis un fils de Dieu, une fille de Dieu, comment je veux réagir? Je ne réagis pas après l'homme, je réagis après ce que Dieu me fait savoir. Je ne suis pas l'homme, je suis l'Esprit de Dieu. C'est comme l'apôtre Paul a dit, mais soyez mes imitateurs.
Il ne s'est pas arrêté là. Comme je le suis du Christ. Est-ce que vous comprenez en fait? Parce que c'est nécessaire que vous puissiez comprendre effectivement la stabilité dans les choses de Dieu, effectivement, pour que ce que j'ai vu, parce que ce que moi j'ai eu à pouvoir voir, je voyais comment les hommes, oh, que Dieu ait pitié. Enfin bref. Donc, nous disons, alors voilà, dans ce sens que lorsque le Seigneur a eu à pouvoir dire que celui qui ne mange ma chair ni ne boit mon sang, n'aura point la vie. Il dit que mon sang, moi, il n'a pas dit de quelqu'un d'autre, mon sang. Il n'a pas dit de l'animal, il dit mon sang. C'est un breuvage. Ma chair ici, là, ce que vous voyez là, il a bien spécifié, hein, est une nourriture. Donc celui qui mange ma chair, hein, et qui boit mon sang, alors tout le monde a dit il est devenu fou. C'est vrai. Il est devenu fou et fou, fou de la folie. Et puis ses disciples l'ont regardé et dit, c'est pas possible. Vous comprenez comme je l'ai déjà parlé ici, non? C'est pas possible. Il a atteint une dimension comme cela. Alors là, vraiment, qu'est-ce que moi je peux rester là? Et puis, il commençait à pouvoir partir. Il dit, mais vous êtes scandalisé par les paroles que je vous ai dit. Mes paroles sont esprit et vie. Hein? Et puis ils sont partis, effectivement, choqués, parce qu'il dit, mais il a dit une chose qu'il ne pouvait pas se dire, effectivement. Mais la question qu'on se pose, c'est, mais pourquoi Pierre et les autres ne sont pas partis? Pourquoi n'ont-ils pas dit, mais c'est une parole tellement dure et vraiment non. Non, Pierre, ils sont restés là. Qu'est-ce qui a fait que Pierre reste là? Comprenez cela, mon frère, ma soeur. Il dit qu'un véritable enfant de Dieu, au plus profond de lui, il ne pourra jamais discuter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour quelle raison? Parce qu'il est une partie de la parole. Amen. On ne peut pas détacher ça, mon frère. Amen. La parole a sa place en lui. Amen. Bien sûr. Amen. C'est ce que Pierre a dit. Il dit, mais nous ici, nous avons cru, reconnu. Il a dit, déclaration, nous avons reconnu que tu es le Christ. Philippe l'a dit, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Nous avons reconnu. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne pourras pas être sûr et certain de lui. Il faut avoir l'assurance. Qui est ce Jésus? Amen. Et puis il dit, les autres ont dit, ce sont des paroles qui sont dures, qui blessent. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais c'est de toi que viennent les paroles de la vie éternelle. Oh! Pour les uns, c'est dur. Pour toi, ce sont les paroles de la vie éternelle. Vous voyez la différence de considération des choses? Oui. C'était un groupe des groupes. Et puis maintenant, il le regarde et il dit, n'est-ce pas moi ici qui vous ai choisi? Je ne fais pas d'erreur, hein? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Je savais bien que je pouvais frapper, que je pouvais être dur et même c'est vous blesser même. Mais vous, vous ne partirez jamais. Parce que dans ces plans ici, vous y êtes dedans. La preuve, c'est ce que nous avons vécu aujourd'hui. Si l'apôtre n'avait pas prêché l'évangile, nous n'aurions pas aujourd'hui des croyants. Bien sûr que non, mais c'est vrai. Il fallait qu'ils prêchent. C'était un, Dieu savait. Ils étaient dans ce plan-là pour que nous puissions aussi avoir l'évangile. Donc, en tant que croyants et fils de Dieu, nous devons réaliser que nous avons besoin de demeurer vraiment et profondément, pas dans les sensations comme les églises ou si on cherche les émotions, on ne va pas ici. Non, 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 non. Vous n'avez pas cherché des sensations et des émotions. Nous avons simplement à chercher le véritable. Soyez-en sûrs et certains, c'est bien, nous pouvons avoir des fruits. Les autres peuvent avoir des fruits, cueillir effectivement des fruits, ainsi de suite. Comme ça, ils ont tellement une belle mangue. Ah, ils vous montrent faire la belle mangue, effectivement. Mais ne suis pas la belle mangue. Hein. Parce que quand tu l'as déjà en main, tu l'auras consommé, marché, il n'aura plus. Mais toi, suis l'arbre. J'ai besoin d'avoir l'arbre avec. Quand j'ai l'arbre, je suis sûr et certain que chaque année, j'aurai toujours de mangue. C'est quelque chose qui est très important que l'on doit arriver à pouvoir comprendre et réaliser qu'effectivement, que ça, c'est nécessaire pour nous. Pas suivre effectivement ce que le gens, le monde, effectivement, cherche. Mais nous devons chercher la chose que le Seigneur désire pour chacun de nous.
la chose est tellement importante que nous puissions arriver à pouvoir comprendre ceci. C'est que pour que nous puissions réellement voir et avoir la chose que Dieu désire, ça demande aussi que nous puissions nous traiter nous-mêmes durement. J'aime toujours l'apôtre Paul quand il dit « Je fais tout pour avoir part à l'évangile. » C'est bien de pouvoir prêcher. Mais à quoi ça sert-il à un homme que ceux qu'il prêche soient sauvés et que lui soit perdu? C'est insensé. Vraiment insensé. Donc il faut que moi-même, je sois d'abord sauvé. Quand je suis sauvé, alors je suis utile à vous. Alléluia. Bien sûr que oui. Amen. Parce que d'abord, si je ne suis pas sauvé, comment vous seriez sauvé? Parce que pour que vous soyez sauvé, il faut que je vous amène à l'endroit où j'ai été sauvé. Alléluia. Amen. Bien sûr. Oui. Mais je ne connais même pas l'endroit. Oh. Allez, je vous amènerai où? Dans les sensations. Parce que nous tous nous sommes, mais c'est sûr et certain. Mais quand je suis sauvé, je reconnais comment j'ai été sauvé. Et quelle est la valeur du salut? Oh frère! Je te dirai, ma soeur, mon frère, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. C'est par ici, là. Creuse comme cela. Alléluia. C'est nécessaire, mon frère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais je traite durement mon corps, il essaie. Afin qu'il soit assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est parce que le plus important, c'est de faire ce que l'Évangile dit. Parce que la parole de Dieu nous dit de faire quelque chose. C'est cela l'importance de cela. C'est comme j'ai toujours eu à pouvoir dire, le message nous dit de faire quelque chose. Et nous sommes censés pouvoir écouter et croire ce que Dieu dit, mais c'est surtout aussi de prêter beaucoup plus attention. Je vous en supplie, abandonnez vos habitudes. Abandonnez effectivement aussi votre état de pouvoir chercher toujours les sensations, les sensationnels. Effectivement, il faut que l'on revienne effectivement comme au jour d'autrefois. La Bible nous dit que ceux qui reçurent de bon cœur, c'est-à-dire sa parole, on insiste bien sur sa parole, et nous dit encore qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ces gens, ils aimaient tellement le Seigneur, ils aimaient la parole de Dieu. Vous savez, c'est la chose qu'ils ont vue, qu'effectivement, que c'est la chose positive. Si Pierre et Jean et tout ça étaient changés comme ça, c'est qu'ils avaient reçu la parole. Donc cette parole, effectivement, aussi, elle doit faire son action. Et puis nous le voyons. Donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Écoutez bien. Dans les prières. C'est pour ça, c'est ce que nous devons savoir, frère. Pas de petits morceaux de prière. Alléluia. Nanana. Non, mon frère. Nous nous tenons là avec respect. Nous prions avec respect, avec sincérité du cœur. On implore le pardon de Dieu. On supplie de Dieu. Oui, frère. Il va encore faire beaucoup de miracles. Parce que les miracles suivent toujours la parole de Dieu, frère. On n'a pas accueilli une fois qu'il soit guéri pour qu'on dise. Non. Il faut que d'abord nous soyons. Dans la condition, Seigneur, mets-nous dans la condition. Et que nous puissions prier. La prière fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Nous nous a dit, effectivement, Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. Des apôtres, frères, qui avaient la parole, mais ils allaient prier. On est dans la précipitation de faire beaucoup de choses. Papa, rapidement. Frère, nous oublions la chose importante. C'est la prière qui fait de toi un fils de Dieu aussi. Et qui travaille à l'intérieur, oui. Les démons n'ont plus le pouvoir, bien sûr. Il faut prier. Mais comme il faut. Amen, amen. Prier en tout temps. Amen. Amen.
En certains moments, paf, tu t'églises quelque part, pour que tu mets à genoux, Seigneur, c'est comme ça même dans ton travail, tu seras performant. C'est la vérité. Oui, tu seras performant. Tu laisses à côté des choses inutiles. Mets-toi, je dis, Seigneur, mon Dieu, je te parle parce que toi, tu es mon Dieu. Tu le connais, mon frère. Et il te connaît, ma soeur. Alors parle-lui. Parlez-lui. Et c'est comme cela. Il persévérait dans la prière, dans la fraction, dans la communion fraternelle. N'aie jamais rien contre ton frère et ta soeur. Peu importe ce qu'il est, mon frère. Qui te déteste, toi, mais toi ne déteste jamais. Alléluia. Et puis toi, mon frère et ma soeur, ne reste pas seulement chez toi comme ça, mes enfants, mes affaires. Non. Mais soucie-toi des autres. Est-ce que le frère va bien? Est-ce que la soeur va bien? Savoir demander. Oui, bien sûr, frère. Je ne demande pas toi, mais on doit me téléphoner, moi. On doit me chercher. Non, mon frère. Va vers les autres. Amen. Et ça, la communion fraternelle. Pas l'égoïsme. Non, mais c'est. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, que Dieu soit béni, qu'on nous a, nous avons prié pour cela. On nous a empêché même de pouvoir saluer quelqu'un. Même plus, vous n'avez pas remarqué, même pas le même visiter des gens. Et les gens sont devenus un peu, c'est rentré un peu comme dans le mœurs, comme ça. Non, mais ça, ce sont des choses qu'il faut arriver à pouvoir passer outre. Et revenir toujours à ce que Dieu nous demande. Ça fait partie de la vie d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu. Ta nature de fils et fille de Dieu ne se manifeste pas seulement ici, dans les bancs, quand on vient s'asseoir. Non, mon frère, non, ma soeur. Ta maison ne doit pas seulement recevoir des gens que tu connais bien, tu entends bien, non. Tout celui qui vient. Alléluia. La Bible dit, soyez hospitaliers. Donc on reçoit tout celui qui vient, qui a besoin de pouvoir avoir un endroit pour dormir. Bien sûr, mon frère, bien sûr, ma soeur, c'est comme ça que nous sommes appelés à être un fils de Dieu. Les mondains ne peuvent pas le faire. Ils ferment leur porte, effectivement. Mais toi, non. Parce que c'est par là que tu pourras aussi annoncer l'évangile. Bien sûr. Frères et sœurs, nous ne devons pas nous taire. Que ce soit voisin, que ce soit ami, qu'on rencontre effectivement au niveau du travail, il y en a beaucoup de gens qui ont besoin de l'évangile. Mais toi, tu as honte de pouvoir le faire. C'est ici où tu excelles. Mais il faut qu'on aille dehors. Mais c'est la vérité. C'est dehors qu'on doit arriver à pouvoir exceller pour que les gens, quand ils vous regardent, ils disent, oh, mais quand même, déjà, la façon dont vous parlez, ah, moi, tu commences maintenant à pouvoir lui annoncer. Il faut. Dans cet endroit ici, il y a encore des bancs qui sont un peu vides. Et ceux-là qui ont besoin de l'évangile sont en train de tourner à l'extérieur. Les gens que vous voyez, ils peuvent pas. Non, 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 c'est peut-être cette personne-là. Va lui parler quand même. Rends-lui témoignage. Il n'est pas bon. Mes frères et sœurs, le Seigneur a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, moi aussi, j'aurais honte de toi. On va me voir, moi, à la prestance. Je te dis, mais est-ce que Jésus-Christ est devenu quelqu'un de honteux pour toi, pour pouvoir... Ce qu'il a fait pour toi, frère, tu sais qu'il n'a même pas été... Il avait été sans vêtements. Il n'a pas eu honte de t'appeler frère. Toi, mortel, la personne qui vit dans le péché, un saint, un Dieu qui t'appelle frère, qui fait de toi un fils de Dieu. Et toi, tu dois avoir honte de lui, alors que tu vas promulguer les hormones, machin, truc là. Et maintenant, ils sont devenus des gens qui sont... Ils se pressent devant pour dire, nous forçons les gens. C'est terminé le temps. Et vous, vous allez avoir honte de mon Seigneur. D'avoir peur. Mais de qui? En fait, tu auras peur de qui, en fait? De ces messieurs qui se tiennent devant toi. Mais qui est-il d'abord? Comme le Seigneur dit, mais qui es-tu d'avoir peur d'un homme mortel? C'est pas moi qui suis Dieu. Mais c'est important. Ça veut dire que quand vous partez, quand vous sortez, quand vous allez quelque part, quelqu'un s'assied à côté de vous, est-ce que vous connaissez Jésus? Vous serez étonné. Ah, mais j'avais entendu parler, et puis j'ai un souci, et je ne me sens pas bien, j'avais le désir de pouvoir quand même savoir si ce Jésus en question existe encore. Mais oui, il existe parce qu'il agit pour moi. Amen. Et je crois que si tu es assis, ça, c'est pas par hasard, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Frères et sœurs, il faut casser les barrières. Amen. Donc chacun de vous, levé quand il sort effectivement à l'extérieur, quand il revient ici, ah, que Dieu soit béni, il m'a accordé la grâce qu'une âme a crue. Mais c'est que vous avez seulement, ah, ma femme, ah, mon mari, problème avec les gâteaux, problème avec ceci, les nettoyages, frères et sœurs,
Ce ne sont pas ceux-là qu'on a dit d'aller chercher les problèmes. On est allé les demander, il faut qu'on ait un témoignage de Christ pour que les perdus puissent venir à la foi. Combien d'âmes as-tu déjà amené à Christ? Oh, c'est pour le frère, mais tu dois aussi rendre un témoignage quand même. Bien sûr. Toi, tu es assis là, tu es assis, oui, tu vois une âme là qui est en perdu, j'attends que frère Zachée vienne. Comme il est diable que je vais lui demander. Frère Divan, j'ai vu des personnes là, comme toi, tu es diable, va le voir. Mais toi, tu travailles à 50 ou 67, 70 kilomètres. Frère Zachée, il est peut-être aussi à 70 kilomètres, loin de toi. Tu vas attendre que frère Zachée puisse, tu l'appelles là-bas, qu'il puisse quitter là-bas, là où il est, pour venir jusque là-bas. Et la personne, si, était dans un, sur le point de pouvoir mourir. Et il faut que frère Zachée, et puis frère Zachée, il vient, mais crevaison sur la route. Prenons un exemple. Tu vas toujours te dire, ne mourrez pas, madame, ne mourrez pas. J'attends frère Zachée qui doit venir. Non. Toi, tu peux lui rendre témoignage. Je connais un homme qui est capable dans cet état dans lequel tu es. Même si tu dois partir, ne pars pas comme ça. Parce que le monde ne t'a rien apporté. Moi aussi, j'étais comme cela, mais il m'a accordé la grâce de le connaître. Mon Jésus, il est vivant. Il est capable de vous. Mais bien sûr, parle de celui que tu aimes. Toujours, quand vous essayez, quand c'était un garçon ou une fille, tu ne dors pas là. Non, celle que j'aime, celle que mon cœur aime. Et je ne sais pas, oh, je ne tiens plus. Et je ne tiens plus. Mais il faut, pour Jésus, tu ne dois pas se bétonner. Il faut que je ne tiens plus pour Jésus. Je dois parler, frère, mais c'est la vérité. L'homme ne t'apportera rien. La femme ne t'apportera rien. Mais Jésus, oui. Mais oui. Ton mari t'abandonnera un jour. Ta femme t'abandonnera un jour. Tu auras beau pleurer. Je le veux. Un jour, il va dire, je t'en veux plus. Mais Jésus, quand tu dis que je le veux, lui, il ne va pas te rejeter. Mes soeurs, ne perdez pas votre temps. Mon frère, ne perdez pas ton temps, ne dis pas que je ne le savais pas. Lorsque tu seras dans les cercueils, tu entendras ces paroles. Amen. Croyez ce que je vous dis est vrai. Amen. Maintenant, vous êtes là, vous dites, oh, ah, ça ne marche pas dans ma vie. Moi, ta vie ne vaut rien. Amen. Même si on te donne des millions, tout ça, ça ne vaut rien du tout. Amen. Parce que tout cela, tu en perdras. Lorsque le temps arrivera où tu seras dans les cercueils, tu vas regretter. Quand ce sera plus possible, qu'est-ce que tu vas faire? Tu l'appelleras, il n'entendra plus. Pourquoi? Parce que quand tu étais assis ou assise dans l'église, quand vous entendez ça, tu t'en foutais, non? Il dit vivement, d'ailleurs je vais vous laisser partir, vivement qu'il termine, que je puisse partir, aller manger ou faire mes affaires, effectivement. Mais ces affaires-là ne te sauveront jamais. Tu peux même les faire et gagner beaucoup d'argent, ça ne sauvera jamais. Donc c'est important que toi et moi, nous puissions comprendre la chose qui est très importante, effectivement. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ma propre vie de tous les jours? Je termine. Il a dit dans les Saintes Écritures que puisses-tu être froid ou bouillant, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Si un temps où la confusion est tellement si grande, oui, le diable a toujours commencé, effectivement, vous savez, c'est pas d'abord dans le monde, hein. Il veut commencer, effectivement, dans l'église. Oui, il veut suyer beaucoup plus dans l'église, pour que ceux qui sont dans le monde, effectivement, ne trouvent pas le chemin. Parce qu'il fait en sorte qu'il ramène le monde dans un lieu où on chasse le monde. Comprenez bien cela. C'est-à-dire qu'il fait que dans les églises maintenant, on trouve effectivement 100% le monde dedans. Bon, les gens qui viennent du monde, quand ils viennent dans les églises, ils trouvent le monde, ils ne changent pas. Il faut comprendre, nous avons un adversaire rusé, malin. Nous devons le chasser. Qu'il ne puisse pas entrer dans les lieux où c'est ça. Oui, tout ça, c'est aussi notre comportement. Ne ramassez pas le monde ramené ici. Non. C'est-à-dire que nous, ici, nous devons garder la sainteté. Et quand nous sortons, le monde doit voir quand même, ils sont différents. Si les femmes sont dévêtues à l'extérieur, ils voient les femmes vêtues, ils ont dit, mais quand même, quelle force ils ont.
Ah oui, c'est la vérité, mon frère. Vous savez, c'était hier ou avant-hier, je pense, c'était la voisine, le voisin, notre voisin, c'est Jean-Paul, je pense, oui, et sa fille, très gentille, elle s'appelle Ruth, effectivement, aussi. Et alors, c'était samedi, vendredi, je sortais donc pour prendre la voiture, et votre sœur est venue pour me suivre, donc je vais la déposer, effectivement. Et alors, et elle me parlait, on parlait ensemble avec elle, et tout d'un coup, quand elle a vu votre soeur approcher, elle dit, « Ouah !» Elle a fait comme ça, « Ah, mais vous êtes belle, madame, vous êtes bien habillée, oh là là là, ronde, de oh, j'ai dit, « Non, mais madame, elle a toujours été habillée, il dit, « Oh, c'est elle, elle était en pantalon, pas d'éléphant, oui, elle dit, « C'est parce qu'on m'a dit que c'est à la mode. » Mais quand elle regardait l'autre, votre soeur, elle trouvait, « Oh là là, elle avait une robe bleue, il dit, « Oh, elle était rond, oh, madame, c'est admirable, c'est vraiment une femme habillée. » J'ai dit, « Oui, c'est ça, c'est la Bible. » Mais vous vous rendez pas compte, mon frère, ma soeur. Les gens vous admirent, soeur. Ne mettez pas les saucissons, mais habillez-vous complètement. Normalement, ils vont vous respecter. Mais c'est bien, respectez-vous et ils vont vous respecter. Ils vont dire que les autres, là, on voit tout, mais eux, ah, quel respect. Donc Dieu vous honore, en fait, aux yeux des hommes. Que Dieu vous bénisse, les venons, nous allons.